Et dans une nouvelle vidéo, une vidéo que je n'ai absolument pas envie de faire, mais absolument pas, je n'ai pas envie de me foutre à moitié à poil, mais on la fait quand même. Une nouvelle vidéo, on essaye des maillots de bain ensemble et on commence cette vidéo tout de suite. Alors pourquoi j'ai pas envie de me mettre en maillot de bain? Parce que si vous suivez mes vlogs, je ne me suis jamais sentie aussi que maintenant. On m'a proposé une collaboration, je n'ai rien acheté, hein. Tout a été reçu gratuitement, mais à l'époque, il y a 2 semaines, j'ai reçu super vite. En plus, j'ai fait non, mais c'est pas possible, je suis pas prête. Quand j'ai reçu les maillots de bain, j'étais en mode sport. Là, j'ai arrêté le sport. Bref, j'ai commandé des maillots de bain. Je sais plus combien il y a de pièces. Et puis, j'ai une pièce en plus. Aurélie, elle a eu la même collaboration. Et j'ai pris un maillot de bain qu'elle avait pris aussi. Ok. Et non, je n'ai pas le même corps qu'Aurélie. Je sais pas. Je me suis dit qu'il fallait que je continue mon sport, mais je n'ai pas. Continue mon sport. Bref, c'est de la marque Kupchu. C'est pas facile à dire. J'ai tout fait tomber par terre. J'ai 5 maillots de bain au total. Comme d'habitude, les vêtements qui ne me vont pas, je vous les proposerai pour 1 € symbolique sur Vinted. Donc n'hésitez pas à rester jusqu'à la fin pour me dire les choses que vous voulez. Et allez, c'est parti, on essaye. J'ai très 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 peur. Alors, déjà l'emballage, il est super mignon. Il est super joli. J'ai du mal en fait, je connaissais absolument pas ce site et j'ai eu du mal à faire ma sélection parce qu'il y avait trop de choses en fait. Il y a différents modèles, mais enfin, il y a plusieurs modèles, mais en même temps c'est un peu toujours les mêmes. Donc c'est un peu compliqué de trouver quelque chose parce que il y avait pas beaucoup de choses qui étaient vraiment mon style en fait. Je sais pas comment expliquer. Je trouve que c'est des trucs un peu... pas m'as-tu vu, tu vois, c'est pas comme les maillots de bain Chine en mode ah, je suis trop bonasse pour moi, mais je sais pas comment expliquer. En tout cas, le packaging il est super joli. Je pense que niveau qualité-prix, c'est plutôt pas mal. Donc, j'ai essayé de prendre des maillots de bain un peu dans mon style, mais il y avait beaucoup de maillots de bain qui n'étaient pas forcément à ma taille en fait. Je sais pas comment expliquer, mais c'est une des premières fois que je galère pour trouver des maillots. Alors, le premier, alors oui, niveau qualité-prix. C'est quand même pas mal. T'as la petite protection qui est là. T'as pas de fil qui dépasse. T'as les petites étiquettes comme ceci que tu peux. Ah, ça c'est bien. Parce qu'à chaque fois, alors je sais pas pour toi Teresa, mais quand t'es bien foutu, quand t'es bien gaulé, même si, quand tu te sens bien dans ton corps en fait, c'est pas une histoire d'être bien foutu ou pas bien foutu, mais quand tu te sens bien dans ton corps, que t'es comme ça en maillot de bain, mais que là t'as l'étiquette. L'étiquette flambi là. Moi j'aime bien quand il y a des meufs qui se la pètent de ouf et elles ont l'étiquette flambi. Je leur dis pas. Je leur dis pas, vous avez l'étiquette flambi, hein. Faut arrêter de se la raconter. Mais ça en fait c'est bien parce que l'étiquette flambi, tu peux la dégager. Tu peux la dégager complètement. Donc ça c'est bien. Alors, premier maillot de bain. Bon là c'est bien, on va pas trop voir mon corps. Il est comme ceci. Il est comme ceci, comme cela. Bah écoutez, on essaye tout de suite, j'ai pas envie. Mais c'est parti. Pourquoi je m'inflige ça? Je ne sais pas. Je ne sais pas. Je sais même pas si je vais publier la vidéo parce que le montage de cette vidéo va être très 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 compliqué. Je pense que tous les maillots de bain vont être trop petits en fait. J'ai pas envie. Mais bon, c'est parti, on y va. En avant Guingamp. Ok, voilà. C'est compliqué. Alors en fait, il est trop petit dans la mesure où il me sert de ouf. Et au niveau, alors pour ceux qui débarquent sur la chaîne, j'ai un problème avec ma poitrine, je la trouve tombante, tu vois. Et là le maillot de bain voilà, c'est dégueulasse. Enfin j'aime pas du tout, hein. Donc on va cacher un petit peu. Donc voilà, ça fait vraiment trop voilà, on voit trop que voilà, c'est compliqué. Sinon le maillot de bain lui-même, alors peut-être une taille au-dessus, et encore le décolleté est tellement, j'arrive pas à trouver les mots. Mais le décolleté voilà est tellement plongeant et j'ai tellement un problème avec cette poitrine tombante que c'est pas fait pour moi. Et pourtant j'ai essayé, hein, j'essaie de la remonter et tout, mais c'est pas possible. Il n'y a que la chirurgie qui fera quelque chose. Mais voilà, sinon le maillot de bain il est super joli en fait. Il est super joli, c'est pas ça le problème. Mais il est juste un peu trop grand parce qu'en fait il me sert, tu vois, il me sert en fait au niveau de là, tu vois. Et ben là c'est, voilà, c'est... Alors attends, je vais essayer de te faire un genre un beau sein, tu vois, en te faisant de la chirurgie moi-même. Mais c'est compliqué. Mais tu vois, si t'as un... Attends. Voilà, si t'as un joli sein, comme ça, ça peut faire joli. Mais si comme moi, t'as un sein... Enfin, après, c'est mon avis à moi. Hein.
Là, ça peut faire encore joli, mais moi, pour moi, c'est pas possible. Voilà, je sais pas si vous avez réussi à le voir. Au niveau du dos, ça fait ça. C'est joli, mais au niveau du devant, c'est pas possible. C'est pas possible pour moi. Alors, cette vidéo va très compliquée. C'est très compliqué. Bon, allez, je me cache comme ça. Et puis, on essaye le prochain. Ah non, celui-là, je suis pas prête. Je regarde pour après. Celui-là. On essaye celui-là. Allez, je vous l'ouvre. Alors, je vous le dis, hein, regardez pas cette vidéo avec des enfants parce que là, vous allez choquer. Hein. Alors, le prochain maillot de bain, comme ça, je me cache en même temps, est un maillot de bain comme ceci. Pareil, c'est bien parce que tu peux enlever la petite étiquette derrière. Un maillot de bain comme ça. Bah écoutez, on va tester, mais sur le site, il m'avait l'air moins flashy. Allez, on essaye. Ça va me faire du bien. En plus, ce maillot de bain-là, ça me rentre dans les fesses. C'est compliqué. Oh, ça va mieux. Désolée les gars, j'avais pas mis le micro depuis tout à l'heure. Mais ça va mieux. Ça va mieux. Ça va mieux. Alors, il y a un truc comme ça, et j'ai la flemme d'aller chercher mon... Oh, ça fait des... ça fait de l'électricité statique. Alors, je pense que ça s'attache par derrière. Oh là là. Oh, quelle histoire! Je cache l'étiquette, un peu là. Ouais, donc je pense que si tu fais un turlucucu comme ça, et tu l'attaches par derrière, ce truc. Je suppute que ce soit ça. Bon, après, je te fais pas un nœud de malade, Germaine, j'ai envie de te dire. Je te fais un nœud un peu à l'arrache, mais je suppute que ce soit ça, l'idée. Voilà, un peu plus haut, tu vois, en mode comme ça. Je pense que c'est ça. Bah écoutez, celui-là, il est joli. Il est joli parce qu'il cache ma poitrine, même si là, tu vois, c'est pas... Après, c'est mon problème à moi. Hein. C'est mon problème à moi. Je t'ai pas dit, mais dans l'autre maillot de bain, il y avait des coques. Et dans celui-là aussi, je pense qu'il y a des coques partout. Je pense qu'il est un peu... Je sais pas si c'est trop petit ou c'est moi qui ai la poitrine qui... Bah oui, qui tombe, ça c'est un fait. Et que du coup, ça s'ajuste pas mal parce que là, en fait, bah mon sein, il est là, tu vois. Donc c'est un peu compliqué. Mais celui-là, je le trouve plutôt joli. Après, ouais, faut bien mettre le truc comme ça. Et tu vois, il est sympa celui-là. Puis après, le côté qu'il soit bien flashy, je trouve ça dynamisant. C'est dynamisant. Non, celui-là, j'aime bien. Après, c'est un basique. Hein. Il a rien de ouf. Enfin, je sais pas comment expliquer, mais il met pas ton corps en valeur. C'est juste un maillot de bain qui cache bien le ventre, qui cache bien la poitrine. Tu vois, il est pas fait pour t'embellir, quoi. Au niveau des fesses, ça fait ça. Bah mine de rien, la coupure est plutôt pas mal. Plutôt joli. Mais ouais, celui-là, il est joli. Celui-là, j'aime bien. Enfin, c'est pas qu'il est joli. Hein. L'autre était très joli aussi, mais je trouve que celui-là me va bien, en fait. Parce que, voilà, sein pulpeux. Je sais pas si on peut dire ça comme ça. Là, c'est juste, voilà, mais ça, c'est par rapport à moi. Mais, non, celui-là, j'aime bien. J'aime bien. Je valide. Allez, Germaine, c'est parti. Prochain maillot de bain, parce que leur produit est super sympa. C'est juste dommage qu'ils aient pas mis un... C'est un truc comme les trucs chines, en fait, que tu puisses zipper. Parce que ça, c'est le truc que tu peux garder quand tu vas à la plage et tout, pour mettre ton maillot de bain de dingue. Alors, celui-là, un deux pièces. Hop. Oula. On dirait un peu parachute au niveau de derrière. J'ai hâte de tester ce truc. Il y a des leggings comme ça. En mode... T'as un bon cul, tu sais. Est-ce que c'est un maillot de bain en mode pont cul? Alors ça, c'est le genre de truc, par contre, mais du temps à sécher. Hein. Je sais pas si tu te rends compte de la matière. Mais par contre, la qualité, elle est super jolie. Hein. Hop, ça fait parachute aussi, là. Ça, c'est vraiment les maillots de bain de maman, tu sais. Et j'essaye. Bon, alors, les gars, je sais pas. Oh, je ris, mais je ris jaune. Hein. Faut pas croire. Hein. En fait, le truc, c'est que si je fais le moindre geste rapide et inopiné, je risque de me retrouver le nichon à l'air. Tu le vois, là. Ça risque de partir en sucette sur un des côtés, enfin, plutôt à l'extérieur. Donc, c'est compliqué. Par contre, je trouve super joli, ce maillot de bain. Super joli. Bon, ça met pas mes fesses en valeur. Et puis, je pense que si je cours un peu trop avec les enfants en mode « T'as perdu ta balle, Roger, attention, j'arrive !» je m'en sors avec un string. Donc ouais, celui-là, il est beau, mais il est pas du tout fait pour moi, parce que là, j'ai serré au niveau du haut, j'ai serré le kiki au maximum, et là, tu vois, ça va se barrer. Il y a des coques, en fait, mais je ne vois pas à quoi servent les coques. Et en fait, ce qui me manque, c'est du tissu, ici, tu vois, parce que là, je vais avoir le sein qui se barre, en fait. Et tu peux pas régler ce truc-là, parce que sinon, là, ça te fait un truc dégueulasse, tu vois. Donc, ce maillot de bain, il est vraiment fait pour une fille, comment ça s'appelle, pas mince, en fait, mais
Je sais pas comment... Je sais pas comment expliquer, mais vraiment, ouais, pas que ça parte dans les côtés, en fait. Au niveau des seins, en fait. Parce que là, ouais, c'est... Ce truc-là, en fait, il est pas... Il est pas ouf. Mais sinon, en fait, c'est bizarre, je trouve... J'ai beaucoup dit, en fait. Mais sinon, le maillot, je le trouve super joli. Mais ouais, il est fait pour quelqu'un qui est un peu moins... un peu plus... Plus menu, en fait. Je pense que c'est ça. Quelqu'un de plus menu, c'est compliqué. Mais sinon, il est joli. Mais non, il est pas... Il est pas fait pour moi, en fait. Parce que là, beaucoup trop, en fait. Là, ça, tu vois, ça... Ça se barre. Ça se barre en sucette. Oh, le prochain, c'est celui d'Aurélie. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu. C'est un maillot de bain de pièces. Un maillot de bain de pièces. Ok. Qui est super joli. Je vais l'essayer. J'arrive. Pourquoi je fais... Pourquoi je me fais... Pourquoi ? La fille, elle est complexée de ouf par sa poisson qui tombe. On lui dit hey, « Est-ce que tu veux faire un partenariat, maillot de bain ?»« Bah oui, bah allons-y gaiement !» Tout ce que j'espère, c'est que ça fera des heureuses. Parce que là, il y a quelques maillots de bain qui vont repartir. Hop, chez vous. Mais, oh, quoi que ça va ? Ou non, ça va pas. Ça ressort de partout. Hop, oh, je suis chaf. Oh, je sais pas. Je suis dubitative. Alors, ce maillot de bain est... Oula ! On va le mettre là, hein, sur le peu de tissu. Où éloigner les enfants, éloigner les personnes âgées, éloigner les personnes cardiaques, éloigner tout le monde. Hein. J'ai pas envie. J'ai pas envie. Ok, alors. Mais en fait, le ventre, ça va. Ça va. Mais en fait, la culotte, ça va pas parce que... tu vois, ça... Je sais pas si on voit, mais ça baille. Bon. Mes fesses, elles sont trop... Tu sais, tu peux glisser une petite tartine, là. Au cas où t'es faim, tu te mets une petite tartine, là, ça passe crème. Mais ouais, mes fesses, elles sont tombantes. Donc, du coup, c'est pas... Tu sais, c'est... On dirait que t'as fait caca dans ta culotte. Un tout petit peu, hein. Un tout petit caca. Hein. Une petite crotouille. Mais voilà, c'est pas nickel. Et du coup, ça me sert, en fait. C'est chelou. Parce que ça me sert un peu là. Mais là, ça me sert pas. Tu vois, c'est... Ça flotouille. En plus, ah, l'étiquette. En plus, j'ai l'étiquette. Tu vois, mais là, c'est... Je sais pas. Il manque du cul. Il manque du cul. Au niveau du haut, ça passe, en fait. Ça passe encore. Ça va, je m'attendais à pire. Je m'attendais à pire, en fait. Mais... Bonjour, je suis la sirène en carton. Je suis la sirène. Mais non, c'est... Alors par contre, il est de super bonne qualité. Hein. Franchement, tu kiffes ton corps. T'es saucé, hein. T'es saucé. Très, très bonne qualité. Mais... Mais voilà, c'est... Mais il est joli, en fait. Il faut l'assumer, en fait, ce maillot de bain. Mais je pense qu'il est trop petit. Je pense qu'il a un chouille trop petit, quand même. Mais il est beau, la couleur est jolie. Mais ouais, trop petit pour moi. Mais j'aime bien. Mais une taille au-dessus, en fait. Une taille au-dessus, ça aurait été pas mal. Mais je m'attendais quand même à pire que ça. Donc, je suis quand même... je suis quand même contente. Oh, Gaston, j'essaie... On kiffe ou pas ? J'essaie de te faire une photo de miniature. C'était très compliqué. Très compliqué. Le prochain maillot de bain. Et je le trouvais tellement beau. Par contre, pourquoi vous faites des... Pourquoi quand il y a un truc comme ça, vous faites des... Des trucs comme ça. Tu vois, ce n'est pas possible. C'est comme rentrer un rond dans un carré. Peut-être à la limite, ça peut passer, mais un carré dans un rond, c'est plus compliqué. Ok ? Donc, ne fais pas ça. Celui-là était super canon. J'ai hâte de l'essayer. Celui-là, je le trouve vraiment joli aussi. Je le trouve vraiment joli. Je sais pas ce que vous en pensez. Mais par contre, c'est chiant parce que ça va me... Ça me rentre dans le boule, en fait. C'est... Vous avez été radin sur le... Sur les fesses, il manque un peu, tu vois, là, c'est... Là, vraiment, ça te rentre dans les fesses, hein, ça te rentre dans les fesses. Alors, peut-être, ou je pense que c'est trop grand, hein, je pense que c'est trop petit. Je pense que c'est trop petit, au niveau du dos, ça donne ça. Mais, ça va. Celui-là, je le trouve bien, en fait, le seul truc, bah voilà, c'est toujours le problème de poitrine. Mais là encore, ça va. J'ai un sein plus haut que... Ah, c'est compliqué. C'est compliqué, mais celui-là, il est super joli, en fait. Il est très, très joli. Et très très joli. Juste problème de mes seins, mais sinon je trouve vraiment pas mal. Mais je trouve vraiment pas mal. Allez, venez, on va se poser. J'en ai marre de rester debout. J'en ai marre de rester debout. Je vous fais un petit hop là. On se pose juste là. On se croira au confessionnal.
c'est compliqué. Je vous fais un petit débrief. Et bah franchement, je trouve que la qualité est plutôt... Oh, la fille qui aime pas ses seins qui se mettent contre-plongée. Je ne connaissais absolument pas cette marque et je trouve qu'en fait la qualité est plutôt pas mal. Après, c'est certains modèles, c'est vraiment fait pour un type de morphologie bien précise en fait. Pas tous, mais la plupart des cas, oui. Moi, je te conseillerais, je sais plus les tailles que j'ai pris, mais je te conseillerais peut-être éventuellement, si ça t'intéresse, je sais pas si j'ai un code promo ou un truc comme ça, de prendre une taille au-dessus de ta taille parce que ouais, sa taille. Enfin, moi je fais 1m60 et 68 kilos. Tu vois, donc je suis quand même une petite boule. Mais ouais, même en faisant 1m60, bon, après tu me diras, quand t'es un peu large, du coup c'est compliqué. Mais ouais, je te conseille quand même de... Je trouve que ça taille petit. C'est un peu compliqué. Et moi j'ai pris quoi comme taille? Je sais pas. J'ai pris des M ou des XL, je crois. Y a pas... Ah, des L. J'ai pris des L, en fait. J'aurais peut-être dû prendre du XL. Je trouve que ça aurait peut-être plus convenu à ma morphologie. Ah, j'avais pas vu, mais je pense que sur la plupart des trucs, tu peux enlever la petite doublure. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Niveau rapport qualité-prix, je crois que les maillots sont à peu près à 25 euros. Si je dis pas de conneries, hein, si je me souviens bien. Eh ben, je trouve que c'est plutôt un bon rapport qualité-prix si tu trouves le maillot de bain adapté, en fait, à ta morphologie. Là, c'est plutôt pas mal. Mais moi, je trouve que la plupart ne sont pas adaptés à ma morphologie, même si j'ai un problème en ce moment de poitrine. Mais dans l'ensemble, je trouve qu'ils sont plus trop petits, en fait. Trop petits pour moi. Dans tous les cas, parce que j'allais me dire, mais pourquoi si t'aimes pas ton corps, pourquoi tu fais une vidéo en maillot de bain? Et ben en fait, pourquoi? Parce que tous les maillots de bain qui ne me vont pas, je vais vous les donner. Je vais tous vous les donner. Je vous le dis clairement, je vais tous vous les donner. Donc le premier, bah tu regardes la vidéo en fait Mireille, mais t'avais celui-là. Mon chouchou en fait, je pense que mon chouchou est étrangement. Hop. Donc le premier était pas mal, mais pas ouf. Celui-là c'est clair qu'il me va bien, mais je me dis voilà, c'est pas l'extase totale. Tu sais, le deuxième que j'ai essayé, je trouve que pour ma morphologie, c'est le plus joli. Je trouve que c'est celui-là. Je sais pas ce que vous allez me dire dans les commentaires, qu'est-ce que vous en pensez, mais moi je trouve que c'est celui-là. Mais de manière générale, en fait, voilà, je trouve qu'ils sont. Un peu trop pas assez haut en fait les maillots de bain, je sais pas comment expliquer. Celui-là, ben bonne surprise, mais tu vois la qualité, je t'ai pas montré dans les détails en fait, mais la qualité est plutôt pas mal. Tu vois la qualité, toi c'est pas du maillot de bain, c'est du bon maillot de bain. C'est franchement c'est le genre de produit que tu pourrais trouver chez chez Etam, j'ai envie de te dire, parce que je trouve que la qualité et même les niveaux des finitions, c'est plutôt pas mal. Et là je t'ai pas dit, mais t'as des petits trucs pour éviter que ça glisse. Mais non, je trouve que la qualité est bien. Je connaissais pas du tout ce site. Celui-là, il est très joli aussi. Je pense que celui-là, c'est le plus qualitatif. Mais voilà, il est pas assez long. Donc je pense que vous avez compris que tous les maillots de bain, je les ai pris en L. Et voilà, vous voyez par rapport à ma taille, vous voyez à peu près ce que ça donne. Et si les maillots de bain vous intéressent, ouais, c'est du L aussi. Si les maillots de bain vous intéressent, bah, vous me dites, bah, j'aime bien celui-là. Et vous me contactez sur Vinted. Et je vous les mettrai en vente pour 1 euro. Voilà, ils sont tous... voilà, si vous en voulez plusieurs, bah dites-moi dans quel ordre vous les voulez, puis je vous les enverrai. Ils ont été bien sûr portés, mais j'ai gardé la petite la fille qui la petite protection des familles au niveau de l'entrejambe. Je ne vais pas les laver. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Ça va être peut-être un peu compliqué de la monter, mais je vais essayer de la monter rapidement. En tout cas, moi, étonnée d'avoir découvert ce site. Je vous mettrai tous les liens en barre de description s'il y a des maillots de bain qui vous intéressent. Et peut-être que vous avez un code promo, je ne sais pas, je me souviens plus. Je vous fais des gros bisous, n'hésitez pas à aller voir cette vidéo là si vous voulez encore vous faire du mal, moi qui essaye d'autres maillots de bain. N'hésitez pas à vous abonner juste là et vous avez mon Vinted en barre de description. Je vous fais plein de gros bisous, faites attention à vous, attention à vos proches et je vous dis à très 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 bientôt dans une prochaine vidéo.